Bueno, querido Emmanuel, solamente dos palabras de bienvenida a Emmanuel Guigón, que es una persona que yo creo, bueno, de una actividad extraordinaria, un puente entre España y Francia. Él empezó a trabajar en la Casa de Velázquez de Madrid. Yo lo conocí un poco después, pero desde luego en torno a toda la actividad que fue desarrollando en España, donde entre otras cosas fue muy importante su etapa en el IVAM de Valencia, donde trabajó como conservador jefe del museo. Él ha desarrollado una actividad muy amplia de trabajo sobre arte contemporáneo, aunque creo también importante señalar que el surrealismo ha sido uno de los puntos fundamentales de su trabajo. Yo recuerdo una exposición realmente maravillosa en Valencia, en el IVAM, a su cargo sobre el objeto surrealista, que es la temática precisamente de la que va a hablarnos hoy. Y también quiero señalar otro libro que probablemente, si están interesados, pueden ustedes encontrar en las bibliotecas y en las librerías españolas, La historia del collage en España, un libro que editó el Museo de Teruel y que es, yo creo también, una contribución de un carácter extraordinario. Luego lo he vuelto a encontrar en Francia, donde actuó también como conservador jefe del Museo de Estrasburgo, y ahora me queda volverle a encontrar en Besançon, donde trabaja actualmente y a donde todavía yo no he tenido la ocasión de ir, pero espero que sea factible muy pronto. Querido Emmanuel, bienvenido. Ya sé que tienes mucha prisa, así que no nos vamos a pasar de tiempo porque tiene que tomar un avión y se va a marchar de aquí como tope 3:15. Cuando quieras tienes la palabra. Ah, ah, oui, ça fonctionne. 1, 2, 3, sí, se oye. Muchas gracias de la presentación, profesor Jiménez. Muy buenas a todos. Empezaré la introducción en castellano, seguiré en francés y acabaré, no sé cómo. Se hizo en las últimas décadas muchas exposiciones, no demasiadas, sobre el surrealismo, sobre la revolución surrealista, sobre el surrealismo, el amor en París, sobre el surrealismo en París, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, una exposición magnífica que hizo hace años en el Reina Sofia Lucía García de Carpi, surrealismo en la posguerra, que hizo hace algunos años, como la surrealismo y sueños de tinta, que se presentó también en Madrid, el surrealismo y el juego, con esta magnífica exposición que se hizo ya aquí en la Thyssen sobre los cadáveres exquisitos hace algunos años. Pero se puede multiplicar sobre el surrealismo en la moda, en Inglaterra hace poco, en la arquitectura, etc. Pero surrealismo que extraña, que nunca se ha pensado, que es tan evidente la exposición sobre surrealismo y sueño. Esta exposición que he visto estos últimos días, que es muy atractiva, muy inteligente, apasionante, que nos da mucho de pensar, a pesar que se puede imaginar con este tema tan enorme, que se puede hacer muchas exposiciones diferentes. Se podría hacer también, eso le gustaría seguro al gerente de la Fundación Thyssen, sin nada. Un poco a la manera de este cuadro de Miró, eso es el color, esta mancha, que es nada, ceci la couleur de mi rêve, eso es el color de mis sueños. Solamente una exposición con nada, solamente quizá con somníferos en el aire. Pues se ve en Madrid cada vez más, se ve unos chicos en la calle o chicas que te imponen unos papelitos de publicidad para ir a tomar una copa o para ir de cena, no sé. En París, en 1925, durante la Centrale Surréaliste, se daba unos papelitos publicitarios que se llama papillon surréaliste, mariposa surrealista, que decían: parents, racontez vos rêves a vos enfants, padres, podéis contar, tenéis que contar sus sueños a sus hijos. aveugle penser à ce qu'il voit. Los ciegos tenéis que pensar a los que ven, los pobres que no tienen la visión interior de un ciego. Si vous aimez l'amour, bien évidemment, vous aimeriez le surréalisme. Si vous gustez l'amour, vous gustaría el surrealismo. Y se podría decir lo mismo del sueño. Si vous gustez el sueño, vous gustaría el surrealismo. Es una evidencia. Y tenéis que ir, he visto que en la programación de películas hay una película fantástica de 36 de Peter Ibbetson, se llama Peter Ibbetson, de Harry Hathaway, con el gran Gary Cooper, que es una historia de amor que se hace solamente en el sueño. Si no habéis visto, tenéis que ver esa película que le gustó mucho a Paul Édouard Breton y otros. Entre las exposiciones surrealistas que hay que mencionar, y después entraré dentro del asunto, dentro de 15 días o 3 semanas, en el Centro Georges Pompidou en París, se va a inaugurar una exposición sobre la escultura de Delphi, sobre el objeto surrealista. A ver si se hace funcionar eso. Hay que apretar aquí. Así, es una exposición que hizo hace ya muchos años en el IVAM sobre el objeto surrealista. José habló de esta exposición. Se hace una exposición este verano, este otoño en París, sobre este asunto. Yo hablaré de la relación del objeto con André Breton y el sueño. André Breton, al final de su vida, en su casa, con muchísimos objetos alrededor. Sigo en français. Les surréalistes ont beaucoup aimé les dictionnaires imaginaires, les abécédaires, parfois les dictionnaires de songes, de rêves. On peut voir ici même dans l'exposition un très beau tableau, c'est une aquarelle, mais qui reprend un tableau 1929 de René Magritte, La clé des songes, où un œuf est représenté, c'est pour l'abécédaire imaginaire. Un œuf est appelé l'acacia, un soulier la lune, un verre à boire l'orage, un chapeau la neige, une bougie le plafond. On pourrait passer toute la conférence et même plusieurs livres pour étudier ce tableau, qui est un tableau très important de Magritte. Dans les dictionnaires du surréaliste, faits par les surréalistes, le surréaliste se présente lui-même comme un objet surréaliste. Signé par Boiffard, Paul Éluard et Vitrac, la préface au premier numéro de la Révolution surréaliste de décembre 24 affirme l'adéquation de l'acte surréaliste et de l'objet surréaliste. Je cite, « Toute découverte changeant la nature, la destination d'un objet ou d'un phénomène constitue un fait surréaliste. » Dans ces déclarations programme, est insérée une photographie de Man Ray, l'énigme Isidore Ducasse, qu'on peut voir ici, mais ce n'est pas la photo de l'époque. Donc un objet caché. Publié 2 mois plus tôt par André Breton, le manifeste du surréalisme accorde dès sa deuxième phrase une attention particulière aux objets de la vie quotidienne. L'homme, dit-il, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait à peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et qui lui a livré sa nonchalance ou son effort. La surréalité, équivalent d'une sorte de réalité absolue, pourrait quant à elle élargir notre expérience des objets afin d'en libérer la vie latente. Breton parle aussi des mots dont il a oublié le sens et la conscience poétique des objets qu'il n'a pu acquérir qu'à leur contact spirituel 1000 fois répété. Autre définition du surréalisme en tant qu'objet, en 1929, on nous l'a dit hier, c'est la date de l'assassinat de la peinture selon Joan Miró, c'est la peinture au défi selon Louis Aragon, la trahison des images selon Magritte, les images défendues selon Paul Nougé. Les objets bouleversants est la première des 12 définitions du surréaliste dans le tract d'annonce du numéro spécial de la revue Variété. Non, si, c'est là. Avec un objet trouvé d'Yves Tanguy. Donc, objet bouleversant, c'est la définition du surréaliste selon cette revue. Ah, je ne suis pas très doué. Les objets bouleversants, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ici, on voit une photo de Paul Nougé qui se trouve dans l'exposition, photo magnifique d'une série d'images que fait Paul Nougé également en 1929, qui correspondent précisément à ces images défendues. Ici, on voit le poète Marcel Lecomte en train d'écrire, je ne sais plus, les yeux clos, etc. J'écris les premiers mots de là, on ne sait pas si c'est l'abîme, l'absence, l'amour, etc. Et Paul Nougé suggère de faire comme cela, de mettre en situation des objets absents. On reviendra après là-dessus. Autre définition du surréalisme en tant qu'objet, le dictionnaire abrégé du surréalisme de 1938, qui correspond à la grande exposition, une exposition très d'environnement d'objets à Paris. Ce dictionnaire est composé de citations recueillies par Breton et Éluard, qui reproduit pas moins de 40 objets et définit le surréalisme comme un vieux couvert d'étain avant l'invention de la fourchette. L'apparent souci de vulgarisation cache à peine les intentions intempestives et déroutantes de l'ouvrage. Le surréalisme, au lieu de la subjectivité, s'est vite emparé de l'objet, et de cet objet, il a fait un autre objet, perpétuel et changeant, à la manière de ces merveilleux dessins d'un autre monde. Je vois mon ami Georges Sebag sourire, à la manière de ces merveilleux dessins de Granville d'un autre monde. L'objet surréaliste n'aurait pas eu lieu sans les chocs émotionnels produits par un certain nombre d'inventions plastiques qui vont infléchir définitivement la façon d'envisager la création des futurs surréalistes. Aux yeux de Breton, ce qui distingue ces inventions est l'audace avec laquelle les artistes négligent la représentation traditionnelle au profit d'une révolution des apparences, qui est une révolution qui était une révolution du rêve également. Cette histoire est plus ou moins connue. On peut la lire, je ne sais pas si le catalogue doit être épuisé, parce que ça doit se trouver dans le catalogue de l'IVAM. Achetez surtout, dans 15 jours, un livre théorique sur l'objet surréaliste qui sera écrit par Georges Sebag et par moi-même, qui doit paraître dans 15 jours. Il faut penser au négoce. Hein. Le rôle d'un directeur du musée, c'est pas seulement de faire des expositions, d'être scientifique, c'est aussi de faire marcher sa boutique. Je parlerai d'un premier objet rêvé, qui est un objet qui n'a jamais existé et qui est très important, qui est même le plus important, qui va servir de modèle à tous les objets surréalistes qui vont venir à partir des années 30. Je fais une petite parenthèse avant, parce que ce problème de l'objet apparaît dès les débuts de l'aventure surréaliste, contrairement à ce qu'on voit dans certaines chronologies qui les fait apparaître uniquement à partir des objets à fonctionnement symbolique du début des années 30. En 1918, dès 1918, son jeune Breton Éluard, l'article que Breton consacre à Guillaume Apollinaire sanctionne l'entrée en scène de la problématique de l'objet. Il y cite un long passage d'une nouvelle de Paul Morand, Clarisse ou l'amitié. Clarisse collectionne des objets, tous les objets, depuis les plus rares jusqu'aux clous et aux boutons de porte. Petits, je cite Paul Morand, petits objets inimaginables, sans âge, jamais rêvés, musée d'enfants sauvages, curiosité d'asile d'aliénés, collection de consuls anémiés par les tropiques. Elle, Clarisse, a autour d'elle 1000 objets destinés à des usages autres que ceux qu'on leur suppose, des livres qui s'ouvrent en boîte, des porte-plumes longue vue, des chaises qui deviennent des tables qui se transforment en paravents, selon cette même chaîne métaphorique qu'on retrouvait dans les dessins de Granville, décidément grand précurseur, qui inaugure également l'exposition. Breton aime ces faux objets maquillés ou travestis, cette moquerie latente du faux qui entoure la belle et mystérieuse héroïne de Paul Morand. Il lui rappelle les peintures idiotes d'un autre grand précurseur, Arthur Rimbaud, dans Une saison en enfer. Clarisse, c'est l'image de la femme moderne au goût hétéroclite et inexplicable. Venons-en à cet objet qui n'a jamais existé, qui va servir de modèle. Dans son introduction au discours sur le peu de réalité qui démarre sur l'expression sans fil, Breton s'interroge sur le langage. La médiocrité de notre monde ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d'énonciation, de désigner les objets ? Qu'est-ce qui me retient de brouiller l'ordre des mots, d'attenter de cette manière à l'existence toute apparente des choses ? Mais cette introduction au discours sur le peu de réalité nous intéresse surtout parce que son auteur s'y propose de fabriquer et de mettre en circulation des objets oniriques sans utilité ni valeur esthétique. C'est en effet dans un rêve que naquit le tout premier objet surréaliste. Et je cite Breton, c'est ainsi. C'est un objet donc qu'on n'aurait pas pu exposer dans cette magnifique exposition puisqu'il n'existe pas. Mais il est évoqué déjà ce soir et je pense qu'il est évoqué dans le catalogue. Donc je cite Breton, c'est ainsi qu'une de ces dernières nuits, dans le sommeil, à un marché en plein air qui se tenait du côté de Saint-Malo, j'avais mis la main sur un livre assez curieux. Le dos de ce livre était constitué par un gnome de bois dont la barbe blanche, taillée à la syrienne, descendait jusqu'aux pieds. L'épaisseur de la statuette était normale et n'empêchait en rien cependant de tourner les pages du livre qui étaient de grosses laines noires. Je m'étais empressé de l'acquérir et, en m'éveillant, j'ai regretté de ne pas le trouver près de moi. Et Breton d'ajouter, il serait relativement facile de le reconstituer. J'aimerais mettre en circulation quelques objets de cet ordre, dont le sort me paraît éminemment problématique et troublant. Breton envisage de matérialiser un objet onirique et il désigne le marché aux puces comme un lieu propice à la découverte d'objets surréalistes. On le reverra tout à l'heure à propos du marché aux puces. Je vais un petit peu résumer ce qu'a pu dire Freud sur les objets, l'objet trouvé, la part de l'objet dans le rêve. Dans un texte complément métaphysique à la théorie du rêve, il remarque qu'avant de se coucher, on se débarrasse de ses vêtements, avec assez d'humour, on se débarrasse de ses vêtements, de ses lunettes et autres accessoires. Mais ces objets, parmi tous ceux de la vie quotidienne, ressurgissent bientôt dans l'espace du rêve, à l'instar de ces matériaux provenant de temples écroulés ou de châteaux démolis, ce qu'on a appelé la spolia chez les historiens de l'art ou chez les archéologues, qui sont recyclés dans de nouvelles bâtisses. S'il est entendu que le rêve puise dans la veille, il est aussi possible de le soustraire des objets au rêve. C'est ce que veut André Breton avec son livre Gnome. Je résume cette partie pour le traducteur. Autre objet dont il est question ici dans l'image, un objet fantôme. En 1927, Breton dessine comme partie centrale d'un cadavre exquis, une enveloppe cachetée ayant sur un bord des cils et sur l'autre bord une anse. Le mot cils, anse, jeu de mots en français. S'apercevant qu'un pauvre calembour est à l'origine du dessin, il l'appelle l'enveloppe silence. Mais le voilà hanté par cette enveloppe fantôme, par cet objet fantôme, il s'aperçoit alors, comme il l'écrit dans les vases communicants dont il était très souvent question ici, qui est le livre central de Breton sur le rêve, son rapport à Freud, que cet objet pourvu d'une anse n'est autre qu'un pot de chambre. De même, en tenant compte du cachet rouge central qui obture l'enveloppe, il découvre un œil peint au fond du vase de nuit. Les vases communicants est un ouvrage centré sur le rêve. Le titre indique clairement que le rêve et la veille sont deux vases communicants, qu'il n'y a donc aucune frontière entre eux. C'est très précis, dans les notations de rêve, on sait la date exactement, elles sont notées. Le 5 avril 1931, un dimanche de Pâques, Breton note à 6h30 du matin le rêve de la nuit où il est question d'un pacte d'un parquet et des meubles souillés par l'urine de deux petites filles. C'est les vrais commencements de ce livre, Les Vases communicants. Dans son analyse d'un autre rêve du 26 août 1931, Breton évoquera un cadeau reçu par son amante Suzanne Mussard le jour de ses 20 ans, un bidet plein de soleil et de tournesol. Je vous renvoie également à beaucoup de livres sur ces amours de Breton, écrits par Georges Sebag, et à ce livre qu'on publie prochainement. Pour plus tard. Autre objet, objet étrange, bien que ce soit un animal, une girafe qui peut être aussi une cravate appelée Nosferatu dans les vases communicants. On crut longtemps que la girafe était un animal composite, un animal rêvé et non pas réel, le résultat d'une extravagante confusion des règnes issue d'un croisement de la chamelle sauvage, de l'oryx et de l'hyène mâle. On la suppose peut-être sur cette île de San Borondon, évoquée par mon ami Fernando Castro tout à l'heure. Animal inutile, Charles Fourier en déduisit, le grand Charles Fourier, le grand théoricien de l'utopie, à qui André Breton dédia, durant les années de la Seconde Guerre mondiale, une ode, Charles Fourier en déduisit qu'il s'agissait d'un animal d'une grande élévation spirituelle. On croit, disait-il, dans sa théorie des quatre mouvements, que Dieu n'a rien créé d'inutile, même dans la girafe, qui est l'inutilité parfaite. Mais Dieu étant obligé de représenter tous les jeux de nos passions, il a fallu qu'il dépeignît dans cet animal l'inutilité complète de la vérité en civilisation. Breton, dans les vases communicants, associe la cravate Nosferatu dont il rêve le 26 août 1931, la notice sur la girafe provenant de son cahier d'écolier illustré par une girafe, ou plutôt par deux girafes. Et je cite Breton, « La tribu des ruminants à cornes velues comprend des ruminants dont les cornes consistent en une proéminence de l'os du crâne enveloppée d'une peau velue qui se continue avec celle de la tête et qui ne tombe jamais. On n'en connaît qu'une espèce, la girafe. » C'est dans ce cahier, la girafe, que Breton consigne les notes, ses notes sur la science des rêves de Freud. On y revient. On pourrait parler ici, évoquer, je ne sais pas si mon collègue et ami Agustín Sánchez Vidal en a parlé hier, la fameuse girafe de Luis Buñuel dans la revue Le Surréalisme au service de la Révolution, qui est également une description d'une girafe qui s'ouvre, qui laisse apparaître un langage d'objet, qui est un langage onirique, et qui fera l'objet d'une construction peu connu dans le jardin des Noailles en 1934. Ceci se voit dans cette exposition un objet. Pardon? Ah non, ce n'est pas une girafe. Dans l'exposition El Surrealismo y el Sueño, on peut voir cet objet extraordinaire, qui à lui seul nécessiterait une conférence, puisqu'il a été publié dans les Cahiers d'Art avec un texte explicatif d'André Breton. Breton appelle rêve-objet la maquette reconstituant fidèlement sur un rêve, en l'occurrence un couloir d'hôtel sur lequel donnent 5 portes que vous voyez. Cette maquette reproduite dans Cahiers d'Art témoigne d'un souci d'exactitude et d'objectivité exigées par les recherches du rêve. Vous reportez aux œuvres complètes d'André Breton ou aux différents livres sur l'objet surréaliste. Autre type d'objet rêvé, puisque pour faire, j'ai dit que j'étais un petit peu à la manière des dictionnaires, plus ou moins imaginaires, faire une succession d'entrées, une entrée sur des proverbes objets en tant qu'objet rêvé. Le langage populaire se plaît à railler l'utilisation fautive des objets. On dit par exemple « ne pas mettre la charrue devant les bœufs ». Je félicite le traducteur pour traduire ces expressions qui en général sont intraduisibles. « Ne pas jeter des perles au pourceau ». Il faut être fou pour attacher une pierre à une fronde, de même pour féliciter un sot. On rit de celui qui commet des infractions aux règles, qui emploie mal un objet, de toute autre personne qui enfreindrait le bon usage à cause d'un manque d'assimilation de ce qu'on appelle les bonnes manières. Le mauvais emploi des objets sacrés ou profanes est à ce point ancré dans la conscience populaire qu'il est généralement sanctionné. Gare à celui qui utilise du pain pour paver son chemin, car il sera transformé en pierre. C'est un poème, un proverbe biblique. Dans un livre souvent cité, fondamental pour notre sujet et pour cette exposition, Trajectoire du rêve, en 1938, Breton est à l'origine d'un genre nouveau d'objets surréalistes, lui qui n'a cessé d'en favoriser la multiplication. Je le cite, « Je songe, par exemple, depuis longtemps, à réaliser ce qui m'est apparu comme un proverbe-objet, fort énigmatique, conçu à partir du précepte « Ne pas mettre la charrue devant les bœufs ». Il s'agissait d'atteler à une charrue à leur échelle deux écrevisses, sans oublier de faire demi-tour à la charrue. Cette idée des proverbes-objets est reprise bien plus tard, dans les années 60, par grand artiste Daniel Spoerri, dans sa série des pièges à mots, exposée à la Galerie J en 1964. Tentative de visualisation, d'expression toute faite, de proverbes, de dictons. Ainsi, l'expression « ça crève les yeux que ça crève les yeux » est représentée par un masque aux deux yeux crevés par une paire de ciseaux. Des images similaires peuvent se voir dans l'exposition « El Surrealismo y el Sueño » ou encore « Qui d'ordine », « Prendre les tableaux au piège », « Tondre un œuf », « Voir la paille dans l'œil d'un voisin et non la poutre dans le sien » vont également de soi. Ils sont pris par Daniel Spoerri au pied de la lettre. On croirait se trouver dans les voyages de Gulliver où les savants de l'île de Laputa trimballant avec eux dans des sacs toutes sortes d'objets hétéroclites qui leur servent de mots. Langage d'objets, qui est un langage bien évidemment fort polysémique. On peut penser aussi à ce film des frères Marx où Harpo, pour entrer dans un lieu qui nécessite un mot de passe, ce mot de passe étant esturgeon, montre un esturgeon pour qu'on le laisse entrer. Me queda mucho tiempo, como quieres. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ça serait quand même bête de ne pas évoquer cette équation de l'objet trouvé. Dans un texte capital intitulé « Équation de l'objet trouvé », André Breton raconte dans quelles circonstances, au printemps de 1934, il se rendit en compagnie de Giacometti au marché aux puces de Saint-Ouen. On revient à ce marché aux puces du livre Gnome. Le premier objet trouvé fut une sorte de masque de métal qui leur fit penser à un descendant très évolué du Homme qui se serait laissé entraîner à flirter avec un loup de velours, une sorte de masque. Il n'est pas photographié là, c'est le second qui est photographié. Giacometti, pourtant très détaché en général de toute idée de possession à propos de tels objets, contrairement à Breton, finit par l'acquérir après quelques hésitations. La découverte de cet objet à l'usage incertain, remarquablement définitif, nous dit-on, devait lui permettre de surmonter les réticences qu'il éprouvait à achever le visage d'une statue à laquelle Breton s'intéressait particulièrement. L'œuvre s'appelle précisément parce qu'elle ne représente pas l'objet invisible, cette fameuse sculpture de Giacometti ou une espèce de structure d'homme totémique tenant rien, l'absence, le vide. Peu après que Giacometti eut acheté le masque de métal, Breton découvrit à son tour une grande cuillère en bois d'exécution paysanne qu'on peut voir sur la photo, assez hardie de forme, dont le manche, lorsqu'elle reposait sur sa partie convexe, s'élevait de la hauteur d'un petit soulier faisant corps avec elle. Plusieurs mois avant, poussé par un fragment de phrase de réveil, le cendrier Cendrillon, et la tentation qui me possède, dit-il, depuis longtemps de mettre en circulation des objets oniriques, Breton avait demandé à Giacometti de modeler une petite pantoufle qu'il se proposait de couler en verre pour s'en servir comme cendrier. Je recite Breton, en dépit Donc c'est un texte fondamental, donc Équation de l'objet trouvé, qui sera republié après dans L'Amour fou. En dépit des rappels fréquents que je lui fis de sa promesse, Giacometti oublia de me donner satisfaction. Entre ce que Breton désirait et ce qui lui fut donné au marché aux puces, il y a un décalage. L'équation de l'objet trouvé n'est en fait pas une équivalence. Le plaisir est ici fonction de la dissemblance même qui existe entre l'objet souhaité et la trouvaille. La trouvaille est en fait retrouvaille, l'objet inventé dans le travail du rêve, puis perdu au réveil, est réinventé à travers un travail spécifique sur le langage. Pantoufle de verre, de Cendrillon, et Cendrier et Cendrillon en verre, avec les deux sens de mot verre, de l'image hypnagogique. Et non la buena para la traducción también, otra vez. Puisque je me suis amusé au tout début à jouer sur cette notion de dictionnaire surréaliste, le surréalisme étant lui-même un objet surréaliste, c'est un petit peu cette manière qu'est conçu ce livre que Georges Sebag et moi-même publions prochainement, et précisément avec un objet en couverture, qui est un objet essentiel, assez fascinant, une potence paratonnerre de grandeur nature. Paratonnerre, c'est le titre, donc c'est un objet, c'est le titre de la préface à l'anthologie de l'humour noir, où beaucoup de rêves sont comptés dans cette anthologie, associé à cet épigraphe de Lichtenberg, la préface, grand philosophe du XVIIIe siècle allemand, la préface pourrait être intitulée « Le paratonnerre ». En 1938, dans le cadre de l'exposition internationale du surréalisme, le dictionnaire abrégé du surréalisme dont j'ai déjà parlé reproduit plusieurs objets de Wolfgang Paalen. Un qu'on a vu hier, une espèce de fusil ou de pistolet construit avec des os. Paalen, surnommé pour l'occasion le castor de la 13e dynastie, et reproduit également son fameux hommage à Lichtenberg, potence avec paratonnerre. Un objet qui est réalisé grandeur nature, qui est très peu connu en photo, dans l'exposition, afin d'éviter aux condamnés à mort d'être électrocutés en montant sur l'échafaud. La personne qui monte sur l'échafaud pour être pendue, le paratonnerre étant là pour éviter que la foudre tombe dessus. Pour les surréalistes, les objets seraient de parfaits paratonnerres, des conducteurs de foudre par temps calamiteux. On est en 1938 et je pense que le rêve, l'anthologie des rêves qu'il fait ont quelque chose à voir avec ces temps calamiteux. En 1939, pour l'ultime numéro de la revue Minotaure, Paalen a traduit et illustré un texte de Lichtenberg, liste d'une collection d'outils destinés à être vendus aux enchères publiques dans la maison de Sir H.S. la semaine prochaine. C'est drôlatique, on peut lire tout ce texte, des objets pour le moins des plus improbables sont cités, dont bien évidemment, sans doute trop cité, le fameux couteau sans lame auquel manque le manche, il ne reste plus rien. Décidément, la conférence tourne beaucoup aussi d'objets absents. L'objet rêvé étant forcément un objet absent peut-être. Une double cuillère d'enfant pour jumeaux. Quelques livres pour personnes gauchères. C'est plutôt intéressant. Un livre de cantique pour bègue ou encore un instrument ingénieux pour se trépaner facilement soi-même. J'en cite un dernier qui pourrait servir précisément pour cette exposition dont je parlais, où il n'y aurait rien, seulement quelque chose de l'air avec un produit pour endormir le public, un lit mobile pour pouvoir parcourir la chambre dans la nuit. Dans Crise de l'objet, texte fondamental publié en 1936 dans la revue Cahiers d'Art à l'occasion de la grande exposition surréaliste à la galerie Charles Raton. Donc, dans La crise de l'objet, André Breton commente ainsi la portée de l'entreprise. Je le cite. « Certes, j'étais prêt à attendre de la multiplication de tels objets une dépréciation de ceux dont l'utilité convenue, bien que souvent contestable, encombre le monde d'irréel. Cette dépréciation me semblait très particulièrement de nature à déchaîner les puissances d'invention qui, au terme de tout ce que nous pouvons savoir du rêve, ce fut s'exalter au contact des objets oniriques, d'origine onirique, véritable désir solidifié, objet onirique, véritable désir solidifié. Mais au-delà de la création de tels objets, la fin que je poursuivais n'était rien de moins que l'objectivation de l'activité du rêve, son passage dans la réalité. Breton ajoute que, plus généralement, c'est la faculté de rapprochement de deux images différentes qui permet aux poètes, aux artistes, aux savants de s'élever au-dessus de la considération de la vie manifeste de l'objet, dont la valeur de convention disparaît pour eux derrière la valeur de représentation, qui les entraîne à mettre l'accent sur son côté pittoresque, sur son côté évocateur. Il n'existe en fait aucun objet de l'activité humaine, mutilé par le temps, trouvé dans la rue ou dans un grenier, au marché aux puces, au bord de l'eau, qui ne soit susceptible d'être recyclé. Très jolie phrase qui vient après de Breton, souvent citée, « Toute épave à la portée de nos mains doit être considérée comme un précipité de notre désir. » Belle définition, s'il en est, de l'objet onirique. Objet, règne, tout se met à glisser, tout se fait écho. On est dupe de cela, on dit « c'est un objet, voilà tout », sans se douter qu'aussitôt le regard détourné, d'étranges scènes se passent. On peut le vérifier dans de nombreux tableaux de cette exposition. Par exemple, dans les tableaux extraordinaires des années 38-39 d'André Masson, où les meubles se convertissent en formes monstrueuses, avalent les personnes censées s'asseoir sur ces meubles. Moins violent que dans les tableaux de Masson, un fauteuil capitonné, que nous a montré tout à l'heure également Fernando Castro, sur lequel je pensais me reposer, se convertit, plutôt que ce magnifique mannequin se repose, se convertit en brouette. Ou encore, également de Dominguez, une femme s'engouffre dans l'antre d'un vieux phonographe. L'objet, donc, n'est pas toujours identique à lui-même. Si son seuil de reconnaissance est en effet toujours rationalisé en fonction de l'usage et de la nomination, s'il peut être restreint à sa seule définition, l'objet onirique ou l'objet surréaliste, à l'opposé, entrave à dessein tout espoir de le saisir. C'est un objet d'avance consommé ou virtuellement perdu. L'objet n'est plus ici objet au sens que l'on donne habituellement à ce mot avec son trait d'union étymologique. Il n'est plus placé devant le sens de celui qui le fait ou l'utilise. C'est un faux objet, comme on dit en traduction, un faux ami, objet sur lequel on se trompe ou que l'on ne peut posséder réellement. Comment posséder un objet qu'on a trouvé dans le rêve? C'est avant tout un lieu d'interrogation qui conduit à l'origine de la question, non pas quel nom donner, on ne saurait nommer des formes pures, sans figuration particulière, je pense à certains objets de Giacometti, ni des combinatoires sans système de référence fixe. Les mots qui accompagnent communément les choses est en quelque sorte suspendu. C'est tout le discours d'ailleurs de Magritte qu'on retrouve beaucoup dans l'exposition, de La clé des songes, de Ceci n'est pas une pipe. Clou et fer à repasser, téléphone. Donc, clou et fer à repasser, téléphone et homard, phonographe et jambes, tasse et fourrure, parapluie et éponge, deviennent insuffisants pour désigner les hybrides de Man Ray, de Salvador Dali, de Meret Oppenheim, fameux objet du musée d'art moderne de New York, de Wolfgang Paalen, donc ce parapluie en mousse. Mais il s'agit bien de comment donner un nom quand l'objet se dérobe au nom. Une fois l'identité de chaque chose reconnue, alors soudain elle se dissipe. L'humour qui, dans le traité de style de Louis Aragon et la condition négative de la poésie, ressemble à la mire sur le fusil, précisément, dit-il, ne connaît pas le nom de tous les objets usuels, soustrait l'objet à son destin de reconnaissance et d'appropriation, car la question n'est pas de savoir à quoi ça sert, à quoi servent les objets rêvés, cela, bien entendu, nous amènerait à nous interroger sur l'importance du monde des choses et à ne pas privilégier leur efficace sur notre sensibilité.